On va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour cette rencontre avec Alison Macrina. Pour introduire brièvement, et puis après, en fait, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On a une heure devant nous. Alison est une bibliothécaire. Alison est engagée sur la question de la protection de la liberté, des libertés fondamentales et des droits humains en bibliothèque. Et on avait très envie, dans la commission stratégie numérique, de l'inviter pour parler de tous ces sujets-là avec nous. C'était notre volonté de le faire le 29 janvier dernier. Et puis, finalement, voilà, on a eu l'occasion plutôt de le faire pendant ce congrès. Et donc, on est ravis. Thank you, Alison, for being here. On est ravis de l'accueillir. Et donc, voilà, j'espère que vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Enfin, il ne faudra pas hésiter. Moi, je vais avoir une discussion avec Alison. Il n'y aura pas de présentation formelle parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un téléphone qui sonne. voilà, donc je vais dialoguer avec Alison. Il va y avoir un traducteur. Merci à lui, Philippe Collomb, qui a accepté, plus ou moins au pied levé, à quelques jours près, de traduire cette rencontre, et ce qui est très confortable, du coup, pour Alison et pour moi. On va essayer de traduire, hein, je ne suis pas sûr de... Oui, bon, voilà. Vous m'excuserez, hein, c'est de la traduction, c'est de la partenariat amateur et bénévole. Voilà, bon, mais je suis sûre que ça sera super, merci beaucoup. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que bon, on va commencer la discussion, et si y a des choses qui vous posent problème dans la compréhension, ou s'il y a des questions qui vous viennent en fonction du développement que ça demande dans les réponses, vous voyez, pour les poser au fur et à mesure, ou plutôt à la fin, si vous pensez que ça vaut plus le coup à la fin. Voilà, on va quand même laisser le temps aux échanges au maximum. Voilà, donc on va pouvoir commencer. So, maintenant, je vais switcher en anglais. Je vais essayer. Voilà. Hello, Alison. Hello, thank you for having me. I'm very happy to be here. And we are glad to be here. D'être là. Il faut qu'on s'ajuste. Voilà. Yeah, we are looking at each other. So, you are a librarian. It's true. Yeah. And I wanted to begin this discussion with a simple question. Why did you choose to become a librarian? I chose to become a librarian because I see librarianship as one of the most democratic professions in the world, in particular in the US, where we have systematically dismantled our social system in every possible way, our education, arts, etc. Libraries are one of the few places that are left where I think that democracy really lives. So. Donc Alison explique qu'elle a choisi le métier de bibliothécaire parce qu'elle considère que c'est un des derniers métiers, un des métiers les plus démocratiques du monde, et particulièrement aux États-Unis, dans lequel, aux États-Unis, où le système social, le système d'éducation et le système culturel ont été systématiquement détruits, et que les bibliothèques restent peut-être un des derniers endroits où la démocratie vit. So what you answered a little bit, but what values in particularly did you like, did you recognize in this job? The values that I like in particular are access and privacy, because I think that those things are what makes up intellectual freedom, and intellectual freedom is one of the most essential components of democracy. The other value that I like is, how do I want to say this, the openness that that anyone can use libraries, especially public libraries and some academic libraries, regardless of what their citizenship status is, how much money they have. They're not expected to buy anything or do anything. They can just go there and be, and I think that this is actually quite a radical idea. It's the only place that I know of where such things exist. Donc les valeurs qui lui paraissent essentielles, c'est les valeurs de l'accès à l'information, et puis du respect de la vie privée, de la privauté, qui lui paraissent être les valeurs fondamentales de la liberté de penser, de la liberté d'expression, et donc évidemment une des valeurs centrales de la démocratie.
Et aussi, elle apprécie beaucoup le fait que les bibliothèques soient des lieux d'ouverture, à la fois les bibliothèques de lecture publique, mais aussi un certain nombre de bibliothèques académiques qui sont ouvertes à tous et à toutes, quel que soit son statut social, quel que soit son revenu, quel que soit son positionnement dans la société, et qu'il n'y a pas de relation marchande dans les bibliothèques, et que c'est un des derniers lieux qui peut se prévaloir de ce genre de valeurs et de relations avec ses usagers. Okay, so now, because we don't have so much time, I want to talk about your project, Library Freedom Project. We can see the website of your project. Can you explain us what is it and your story? Why did you choose to create it? Library Freedom Project is an initiative that aims to make real the promise of intellectual freedom in libraries. And I say it makes real the promise because I think that historically in libraries, we've done a very good job of talking about our ideals of things like privacy, but we don't always know how to put them into action, especially in the 21st century, new technology comes different violations of privacy. So I started Library Freedom Project after the revelations from Edward Snowden about government surveillance, because I realized that the values that I cherished in libraries were under serious threat, not just in the United States, but globally. And I thought there was something I could do about it. Donc l'origine du projet Freedom Library, c'est l'idée de rendre réelle la promesse de liberté de pensée dans les bibliothèques. Ce que Alison souligne, c'est que souvent les bibliothèques ont beaucoup parlé de la liberté de pensée comme étant une valeur fondamentale, mais ont eu un peu de mal à la rendre réelle dans les bibliothèques, surtout à partir du XXIe siècle et le développement des nouvelles technologies qui ont pu mettre en danger les libertés individuelles. Le projet est né suite aux révélations de Snowden sur la surveillance généralisée par le gouvernement américain, et que donc elle a eu le sentiment que ces libertés étaient en danger dans les bibliothèques et qu'il fallait réfléchir aux moyens concrets de rendre réelles ces libertés. So, what are the Library Freedom Project missions? And what kind of ethics behind this project? Our mission is to help librarians understand how to protect privacy in the 21st century, given what we know now about surveillance from governments, corporate surveillance, which is sometimes called digital capitalism. The objective is to give librarians information about what is really happening, how it affects our communities, how it threatens our missions, and then teach practical tools and strategies that can be used for resistance. So, you know, the ethics behind it, I think, are the fundamental ethics of libraries. Privacy, free expression, access. To me, I don't think, as I mentioned before, I think access and privacy are the two components that make intellectual freedom. But in particular, I think that if you don't have privacy, it's not possible to have intellectual freedom. Because if you feel that you are being watched by someone or something, you will self-censor. And I think that represents a great tragedy for us as librarians. So. Donc la mission que s'est donnée le projet et son éthique, c'est de travailler sur la compréhension de ce qui se passe vraiment en termes de menaces par rapport au respect de la vie privée, que ces menaces viennent des gouvernements, mais aussi des compagnies privées. Et vraiment de faire comprendre aux bibliothécaires comment ces menaces, ce ne sont pas que des menaces, et qu'elles ont un impact réel et déjà effectif sur nos communautés. Les valeurs éthiques fondamentales, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'accès à l'information et le respect de la vie privée. Et elle insiste beaucoup sur cette idée que le respect de la vie privée est la condition sine qua non pour la liberté de penser. Si on sait que sa vie privée peut être espionnée, peut être menacée et ne pas être respectée, alors il y a des réflexes d'autocensure qui contreviennent à la liberté de penser.
So you told us about the fact that you teach librarians some tools to you teach librarians. So what kind of tools are you teaching, and how many librarians have you been training? Well, I stopped counting how many, but let's see. I started Library Freedom Project around the end of 2013, beginning of 2014, and so I think it's probably around 3,000 librarians, maybe more than that, I'm not really sure, but many hundreds of libraries in at least 5 countries. I might have to count that again, but mainly North America, but I've worked with librarians all over the world in indirect ways too. So our training program, it does vary based on the library, the environment, academic or public, and the type of community that the library is in, but for the most part, it follows this formula. Sometimes I'll bring a lawyer with me, a human rights lawyer, and we will talk about surveillance law. So in the United States, where I live, we have many laws that enable surveillance. People are probably familiar with the USA Patriot Act, but there are many, many more that restrict our freedom, that allow for government surveillance to happen. We talk about our right to privacy. So in the US, we're supposed to have a guaranteed right to privacy. It doesn't really happen that way, but the Universal Declaration of Human Rights also guarantees privacy. So we talk about privacy in the context of law, understand how governments use the law in order to spy on people. We talk about who this happens to. So over and over again, in every country that I've worked in, I've seen that new surveillance powers are granted in the name of national security or counterterrorism, but that's not actually what they're used for. They're used, sure. Sure, go. No, you can, and I can finish if you want. You can go. Okay, please. Okay. Mm-hmm. Donc, depuis la fin 2013, début 2014, elle propose des formations. Elle dit qu'elle a formé au moins plus de 3. Pardon, c'est moi qui l'utilise mal. C'est moi qui l'utilise mal. Ah. Ah. Moi, j'en ouvre un. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux. Donc le projet, elle fait des formations depuis la fin 2013, début 2014. Elle pense avoir formé environ 300 collègues dans 5 pays, principalement en Amérique du Nord, mais aussi ça irradie au-delà de ça. Et puis il y a le site web qui permet aussi de toucher du monde. C'est un programme de formation qu'elle essaye d'adapter au contexte de la bibliothèque, au contexte du pays dans lequel elle intervient. Pardon ? Non ? Non, pardon. Dans le contexte, parce que si je me trompe, faites-moi des signes si je dis n'importe quoi. Et que vous avez... 3 000, ben voilà. Corrigez-moi, hein, n'hésitez pas, j'essaye de suivre, mais c'est pas. 3 000 collègues dans 5 pays, c'est ça? Ça, on est d'accord. Et donc, c'est un programme qu'elle essaye d'adapter à chaque fois au contexte spécifique de l'établissement dans lequel elle intervient. Elle est souvent accompagnée d'un avocat spécialisé dans les questions de droits humains. Et donc, avec cet avocat, ils reviennent sur les lois de surveillance qui existent dans ce pays. Elle donne l'exemple des États-Unis, où on connaît, enfin, depuis la France, on connaît surtout le Patriot Act, mais qu'il y a énormément d'autres dispositions réglementaires qui permettent de surveiller la population. Et puis, en regard, ils abordent la question aussi du droit à la vie privée, qui est garanti par des textes fondamentaux, notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ils reviennent au cours
cours au début de cette formation, il commence par revenir sur comment effectivement la loi sert à espionner les citoyens et les citoyennes, à qui ça arrive. Elle rappelle que ces lois sont toujours justifiées par des soucis de sécurité nationale ou de lutte contre le terrorisme, mais que dans les faits, elles sont souvent utilisées à d'autres fins que cela. So I no longer am employed in a library because I was very lucky. In 2015, an organization called the Knight Foundation gave me a knight. Yeah, like on a horse. Yeah. I applied for a grant, and they gave me a lot of money. They gave me $250,000. I know. I cried. So I do this full time now. Yeah. I work with other librarians. I'm the only full time employee of Library Freedom Project, but I don't really consider it to be a solitary endeavor because I work with many librarians all over the world. I help advise them, I support them. So, you know, you are all part of Library Freedom Project now that you've been here, so. Donc pour répondre à la question, elle ne travaille plus en bibliothèque directement, puisque depuis 2015, elle a bénéficié d'une aide très importante de $250,000, c'est ça? Les chiffres, c'est pas mon truc. Qui lui ont été donnés par la Knight Foundation, donc la fondation des chevaliers, c'est ça. Elle est la seule employée à plein temps de sur ce projet, mais elle bénéficie de beaucoup d'aide et même elle considère que maintenant vous aussi vous faites partie du Freedom Project, du Library Freedom Project, puisque vous assistez à sa conférence. Yeah, you can finish. So to finish my earlier answer about what we teach. So I teach about the context and the law and rights, and then we talk about strategies that can make the library into a more privacy-preserving, privacy-respecting place. So that includes things that are less technical, like how to know when the police want to put surveillance cameras in your, around your library, and how to self-govern that. Teaching specific technology that can be used to protect privacy, that can either be installed on library computers or taught to patrons directly or in computer classes. Donc après avoir présenté le contexte dans ces formations, elles reviennent plutôt sur une approche stratégique de comment faire des bibliothèques un lieu qui respecte la vie privée. Donc il y a des réponses qui sont plus ou moins techniques. Dans un premier temps, ça peut être aussi connaître les dispositions réglementaires. Elle donne l'exemple de si la police souhaite installer des caméras de surveillance autour de votre bibliothèque, savoir quelles sont les dispositions, si vous avez le droit vous-même de contrôler les caméras ou si c'est d'autres. Alors ça dépend des contextes législatifs, hein. Je ne pense pas que ça s'applique à la France. Mais aussi, et après, il y a aussi un aspect plus technique sur présenter des outils, qui peuvent être installés sur les machines et sur les machines de la bibliothèque, soit qui peuvent être présentés aux usagers pour les sensibiliser à certains outils technologiques qui les protègent mieux que d'autres. So you told us about that tools and you are involved in the TOR project. Can you explain us what is TOR and the link with libraries, the interest for libraries, and the example of what have you done? So I'll briefly explain what TOR is, and then you can translate, and then we'll move on to the next. So TOR is a piece of software that
you can download and use that helps protect you from certain kinds of surveillance and censorship. It prevents anyone from seeing the websites that you visit or who you really are, where in the world you're coming from. It also prevents websites from tracking you from site to site, following you to different places. And it also can help if you live in a place where the internet is censored. It will allow you to have uncensored access to the internet. So most people use Tor in the form of Tor browser. You can download it from here. It's a web browser, just like Firefox or Chrome, but it protects your privacy by default. And I work for Tor Project in addition to working for Library Freedom Project. Donc Alison a été très impliquée dans le projet Tor. Le projet Tor, c'est un projet logiciel qui permet à la fois de se protéger de la surveillance, de protéger sa vie privée, son identité réelle, notamment les éléments contenus sur la machine qu'on utilise, qui permettraient de voir de quel pays on se connecte et de donner des éléments personnels, mais aussi qui permet de contourner les dispositifs de censure du sur le web, donc qui vous permet de consulter tous les sites, même si vous êtes sur dans une région du monde qui applique des mesures de censure sur Internet, et qui permet aussi d'éviter le traçage, le tracking que d'un site à l'autre, on sache que vous êtes d'abord passé sur un site pour ensuite passer au suivant. La version la plus courante de Tor, c'est un navigateur qu'on peut télécharger sur la page qui vous est présentée et qui est l'outil le plus connu. Mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments de Tor et qu'on va parler de ça. Just one thing to add, when you go to the download page, you can get it in French. Il y a une version française du navigateur sur cette page. So Tor is one of the tools that I teach about in libraries. And the reason I teach it is because it's one of the most sophisticated privacy tools that exists. It does more by itself than many other tools do, and it works really well. So it's part of our training program, how to use it, how to install it on libraries. And another thing that I have worked on is getting libraries to become part of what's called the Tor network. One of the ways that Tor works is the network that provides anonymity is a system of computers all over the world. You good? Okay. These computers are just, all they do is send Tor traffic all day. They're run by volunteers, and the system is designed so that even though they're volunteers, they can't learn anything about you that would compromise your privacy. So one of the Library Freedom Project initiatives is getting libraries to run these servers in their buildings, because it's part of a commitment to privacy and intellectual freedom, because public institutions like libraries are in a really good position to support this network. An individual might have a little bit harder time, but a library, it's a quite easy thing. And a couple of years ago, we worked with a library in the United States in a state called New Hampshire. The library is called Lebanon Libraries. And they, Lebanon, like the country. They created a Tor server, a Tor relay, and everything was going okay. But then the Department of Homeland Security contacted them. This is a law enforcement agency in the U.S. I know this is a lot. At any point, you want me to stop? Yeah, I'm trying to go slow. Cool. Yeah. And DHS told the library that they were supporting terrorism and exploitation, and they asked the library to shut the server down. Library Freedom Project and a number of other organizations
the Electronic Frontier Foundation, the American Civil Liberties Union, activists, lawyers, community members locally and internationally got together and contacted DHS and told them that this was wrong, showed up to a public rally in support of the library, and the library was able to turn it back on, and the law enforcement was, they didn't even end up showing up. They were totally defeated. This was a really important moment, I think, because not only did we win, but it was good evidence that the public is very supportive of these kinds of ideals. If we hear that people don't care about their privacy anymore, my experience, especially in that moment, is that it's actually totally the opposite. Members of that community stood up in the meeting and shared their experiences, why they care about privacy, and it was deeply moving and amazing. And so taking risks in favor of privacy will pay off in a big way. Thank you so much. Donc, on était sur Tor. Alors, en fait, Tor fonctionne avec un système de serveurs relais qui permet justement de brouiller les pistes, puisque les informations circulent sur un certain nombre de serveurs. Et ces serveurs, c'est ce qu'on appelle le réseau Tor. C'est du volontariat. Des institutions ou des particuliers mettent à disposition du réseau Tor leur ordinateur qui doivent tourner en permanence. Alison précise que, évidemment, c'est pas parce que vous avez un ordinateur dans le réseau Tor que vous voyez passer les informations. Vous êtes vraiment qu'un maillon et qui lui-même est une boîte noire par rapport à la personne qui l'utilise. Et un de ses engagements, c'est de convaincre les bibliothèques qui sont des institutions avec des serveurs qui tournent en permanence. Donc c'est plus simple par rapport à des particuliers qui ont un ordinateur qui parfois peut être éteint et qui va poser d'autres problèmes. Donc elle essaye beaucoup de convaincre les bibliothèques qui ont des moyens informatiques un petit peu supérieurs de se mettre dans le réseau Tor et de participer au réseau Tor qui permet de protéger ces données. Et elle donne l'exemple, donc cette bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque du Liban, Libanon, on va donc la bibliothèque Libanon, c'était en quelle année ça? On n'a pas dit, c'est pas grave. Il n'y a pas très longtemps, voilà, la bibliothèque Libanon qui avait décidé de mettre un serveur Tor, de mettre à disposition un de ses serveurs pour le réseau Tor et qui a été menacé par les services de sécurité, donc le Homeland des États-Unis, qui lui ont dit qu'ils considéraient que la mise à disposition d'un serveur pour Tor était une forme de soutien au terrorisme et que c'était une menace pour la sécurité nationale. Donc ils ont tenté de les intimider. Donc il y a eu une mobilisation assez importante avec le Library Freedom Project, la grosse organisation des droits humains américaine qui s'appelle LUCLA, et la Electronic Frontier Foundation, qui est aussi une des plus grosses associations de défense des droits électroniques, mais aussi une mobilisation locale, avec locale et mondiale. Mais ce qu'elle a trouvé surtout intéressant, c'était que, alors qu'il y a un discours dominant qui laisse entendre que les usagers et les individus se moquent un peu de leurs droits individuels et laissent leurs données flotter, qu'à l'occasion de cette mobilisation, on a bien vu que le public s'était beaucoup mobilisé, que des gens étaient venus, des anonymes qui étaient venus témoigner avec des témoignages très forts et un engagement très fort pour défendre ces libertés. Merci Philippe. Merci. pour la précision, Lebanon, la story about Lebanon, c'était en 2015, j'ai redemandé. Voilà. Et Electronic Frontier Foundation, c'est une association qui a, on va dire, un équivalent français qu'on pourrait qualifier d'un équivalent de la Quadrature du Net. Voilà, c'est un peu le même type d'association, mais qui est beaucoup plus ancienne, en tout cas historiquement. Voilà. So, ça va, c'est pas trop technique. N'hésitez pas, parce que quand on parle de tort, tout de suite, ça peut. Voilà. Mais, in France, in this time, at the ABF Congress, we have some talks about the privacy and the role of the librarian, and maybe
we are a little in debate about that question, and I wanted to ask you, how is your work perceived by your fellow American librarians? I think when I first got started, I think that the environment was similar to what I am noticing here, that many people were very supportive, but many other people were not, and none of them said it to my face, but they would talk about me. And what has happened in the years since is that now we have Trump, and the people who, right? I know. Yeah, hiss, boo. now we have Trump, and the people who were opposed to me before, now they understand. Truly. Because, you know, people didn't realize that Obama was the one who created the surveillance state. And so many librarians in the US, they are kind of progressive. They didn't want to criticize their guy. And they thought, well, surely if Obama has created this, it's good. And one of the things that I said to them at the time was, you have to understand that he's created this thing that will go on after him. And honestly, I used to say as a joke, when Donald Trump becomes president, we're really screwed. And no one took me seriously. And now, we know. Donc, Alison explique que quand elle a commencé son projet, elle a le sentiment que c'est un peu le même état d'esprit aujourd'hui à l'ABF, en tout cas, une perception qu'on peut avoir, où un certain nombre de collègues étaient très, très en soutien, et puis une partie des collègues aussi était plus dubitatif sur la pertinence de son approche, et que depuis Trump, les choses ont évidemment beaucoup changé. Et ce qu'elle rappelle, c'est qu'un certain nombre de bibliothécaires se voulaient progressistes et donc étaient plutôt en soutien avec Obama et avaient plutôt confiance en Obama, alors que Obama est celui qui a créé la plupart des dispositifs de surveillance. Ces soutiens, comme c'était Obama, pensaient que ça, c'était forcément quelque chose qui avait du sens et qui était plutôt positif. Et à ce moment-là, déjà, Alison disait sur le ton de la plaisanterie, oui, mais ces dispositifs vont survivre à Obama et quand on aura Trump, on sera vraiment dans la merde. Et maintenant, on a Trump. Ses collègues qui étaient dubitatifs... Maintenant, ses collègues sont convaincus. La comprennent, en tout cas. I wanted to ask you what... You present yourself as an activist. I wanted to ask you what barriers for an activist librarian in the US? I think that there are a few barriers. One is that... I think that there still is this idea in some libraries, mostly not from library workers, but from library administrations. There persists this idea that the library is neutral, and it's not, and it never has been. If we think of the library as neutral, what we're doing is choosing the status quo. So that is one barrier, because the people who are in positions of power think of this. Another barrier is that there aren't enough of us. We have a really big charge to take back privacy, to fight for intellectual freedom, and things are getting worse in the world, as you may have noticed. The United States is becoming authoritarian, and so the problems that we already had are severe now. So, you know, it feels often like, I realize I'm going to use an idiom, so I hope that it translates well, it feels like spitting in the ocean. So, yeah.
Donc, elle évoque les difficultés que peuvent rencontrer une bibliothécaire militante comme elle se présente. Elle rappelle que pour elle, beaucoup d'encadrants de bibliothèques, plus que peut-être le personnel en général, mais en tout cas ceux qui dirigent les bibliothèques, ont une vision de la bibliothèque comme devant être neutre. Et alors que pour elle, les bibliothèques n'ont jamais été neutres et que choisir la neutralité, c'est choisir le statu quo. Et l'autre difficulté, c'est qu'elle insiste pour dire qu'ils ne sont pas assez nombreux à être engagés sur cette lutte pour le respect de la vie privée et l'accès à l'information, qu'il y a beaucoup de travail pour lutter contre tous ces dispositifs, qu'il y en a de plus en plus aux États-Unis, et que parfois ça donne l'impression d'être une goutte d'eau dans la mer, tout ce qu'elle peut faire, et que la mobilisation n'est pas assez générale. En France, on a le devoir de réserve, par exemple, ou le devoir de réserve. and I wanted to ask you, Alison, if there is any devoir de réserve, so duty of confidentiality of the librarian, which can prevent him from doing something, because it goes against his the government, for example, or for his hierarchy? So there are some. One of the places it comes from is the ALA has a code of ethics that includes privacy and confidentiality, but that's not a law. That's the ALA making a recommendation. So it's hard to enforce it. And then there are some laws at the state level, you know what I mean by that? Yeah. That in different states, there's different small protections that say librarians can't disclose private patron data unless the police have a warrant. However, I don't think that law is expansive enough to actually protect much. And because they vary by each state, there's no national standard that's bigger. And it doesn't say anything about third parties. So, you know, we use all these different vendors in libraries that collect patron data, that use it for purposes that we don't fully understand. And so the laws that exist in the United States are, you know, not even enough to protect the library itself, and do basically nothing if we give that data to Google or EBSCO or some other vendor. Je ne suis pas sûr qu'elle ait compris la question. On va revenir. En tout cas, Alison répond sur les dispositifs qui protègent les données dans les bibliothèques. Elle rappelle que l'ALA, qui est donc l'équivalent de l'ABF au niveau des États-Unis, a produit un code de déontologie qui protège protège la vie privée des usagers, mais qui reste qu'un code de déontologie sans valeur légale très forte. Et puis qu'il y a un certain nombre de dispositions légales, mais qui sont toujours que au niveau de certains États. Notamment, il y a certains États qui n'autorisent la divulgation des informations que sur ordre de la police, qui elle-même serait mandatée par la justice, ou ce genre de dispositif. Il n'existe pas pour elle un standard fédéral qui permettrait de protéger, donc c'est déjà un premier point. Et puis le deuxième point sur lequel elle insiste, c'est sur la question des tiers et des fournisseurs. Les bibliothèques proposent un certain nombre de produits en ligne qui collectent des informations sur nos usagers, et le traitement de ces informations nous échappe complètement, et on n'est pas du tout en capacité d'assurer aux usagers que les informations qu'ils vont fournir avec un service qu'ils vont utiliser en bibliothèque seront protégées. Désolée. Oui, effectivement, j'ai mal posé ma question. Vous voyez, c'est pas facile à traduire la question du devoir de réserve. J'aurais dû parler de neutrality obligation, something like that. Mais c'est intéressant de se rendre compte que la question du devoir de confidentialité du bibliothécaire, voilà, j'avais pas pensé à poser cette question-là dans ce sens-là. Donc, c'est très intéressant. So,
Is there any neutrality obligation for the librarian? No. I can say one more thing about it. There's no obligation, okay. But some, you know, library directors may try to enforce their staff to not be political, but they have no basis for this in anything. So there's nothing they can do about it. Donc, il n'y a aucune disposition légale qui serait l'équivalent de devoir de réserve des fonctionnaires qu'on connaît en France. Il y a des directeurs qui peuvent essayer d'obliger leur personnel à rester discret sur leurs opinions politiques, mais il n'y a aucun fondement légal pour le faire. Donc, c'est que de la persuasion, mais ça ne peut pas être des dispositifs légaux. So, I have two last questions, and maybe we can let the public participate. I wanted to ask you to tell us a little bit about your training program right now, which has begun Wednesday. Maybe it's the time, your actuality. So a new program that I've started is called Library Freedom Institute. I realized after training many thousands of librarians about privacy that I can't keep up on just one person. I can't keep up with the demand. So I sought another grant and got it. And it's from a US organization called the Institute of Museum and Library Services, IMLS. So they only allow me to spend it on US librarians. But what the program is basically I've selected a small group of librarians. They applied, and I've chosen them. And the program is 6 months long, and I'm teaching them many things about privacy that I wish I knew when I got started. So how to use the technology, how to have conversations about privacy, especially with people who might be opposed. Some other ideas about speaking to your community and starting privacy programs. So this program will happen two times, this year and next year. And I mentioned that it is US focused because of where I got the funding from, but all of our materials are open source. They're on GitHub. And I'm hoping that I can have someone translate them so that anybody can use them anywhere. So you can see, you know, different weeks and so. Donc, elle vient de commencer un nouveau projet puisqu'elle se rend compte que malgré tous ses efforts, elle ne se suffit pas à tout faire. Donc, elle a bénéficié d'une nouvelle bourse qui lui a permis de lancer le projet Library Freedom Institute. C'est une bourse qui l'oblige à ne former que des collègues états-uniens, mais elle a recruté un petit groupe. How many people do you trust? Il y a donc 13, un petit groupe de 13 collègues qui vont pouvoir suivre ce programme pendant 6 mois, qui est un programme de transmission d'expertise et de transmission des savoir-faire, notamment comment organiser une discussion, comment convaincre, etc. Et ce programme va avoir lieu deux fois. Il est donc réservé aux professionnels états-uniens, mais tous les supports de cours sont disponibles en open source sur le web, et elle espère trouver des volontaires pour faire de la traduction de ces supports. Donc 13 collègues formés cette année et 30 l'année prochaine. And let me say this about next year. Sorry. We next year we may be able to admit a few people who are not from the US. So just putting that out there. Yeah. L'année prochaine, peut-être qu'il y aura un ou deux formés qui ne seront pas états-uniens. And it's free. C'est gratuit. Is it full time?
You make microphone. Oui, c'est pas une formation à plein temps, hein, c'est cinq heures par semaine pendant 6 mois. I wanted to ask you last question. I wanted to ask you a global question. What is being librarian today for you? That's a good question. For me, it's a renewed commitment to our ideals. It's a recognition that the world is going in a direction that is against us. One thing that's very important to me as a librarian is international solidarity. I think that if we are to preserve and protect what libraries stand for, our only hope is to work together and understand what's happening in each of our countries, because it's the same. You might not think that it is, but the things that are happening in France today look very similar to what happened in the United States after September 11th. So being a librarian, I think, means having a global perspective and a commitment to democracy. Donc la question était qu'est-ce qu'être bibliothécaire aujourd'hui, et pour elle c'est un engagement renouvelé pour les valeurs qui ont toujours été les valeurs de la bibliothèque, et de se rappeler que le monde ne va pas vraiment dans le sens qu'on voudrait, pas vraiment dans le sens de ces valeurs, et qu'il est important de continuer à travailler là-dessus, et que de ce point de vue la solidarité internationale est essentielle. Pour elle, ce qui se passe actuellement en France, même si on n'en est pas forcément conscient, c'est ce qui a pu se passer précédemment aux États-Unis, et qu'on retrouve les mêmes éléments dans beaucoup de pays dans le monde. Donc qu'il est essentiel d'avoir une perspective globale sur ces questions et sur les valeurs qui ont été les valeurs fondamentales des bibliothèques. Merci beaucoup. Thank you, Alison. Thank you. Est-ce qu'il y a des questions publiques, des interrogations? Je vais me déplacer pour vous donner le micro. C'est là que la course commence. En fait, j'en ai deux. Première question, les fonds, la bourse qu'elle touche sont faits par la Fondation des Chevaliers. Qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est quoi? Et d'où viennent les fonds des Chevaliers? It's a private foundation that gives money to social projects, I guess. They've given a lot of money to news organizations, and sometimes they give money to libraries for what they see as interesting and important projects. Oh, where does their money come from? So the Knight family, they're philanthropic. The Knight family actually owned a bunch of tabloid newspapers in the US for some time, and they used their wealth to create this foundation. Donc la fondation Knight, ça veut dire effectivement chevalier, mais c'est le nom de famille d'une famille qui a fait fortune avec des tabloïds, de la presse populaire, et qui a monté cette fondation à partir de cette fortune pour soutenir des agences de presse, des organes de presse et certaines bibliothèques et tous des projets qui ont un impact social positif. C'est une fondation familiale. Et ma deuxième question, alors là je passe pour une buse informatique, entre Tor et un historique privé de navigation sur Internet, il y a une différence? Oh, that's a great question. So the privacy feature in a regular browser, sometimes called incognito mode, all that it does is it hides, it makes the website that you're on think
that you haven't been to that website before. So the cookies that that website has sent you in the past, is cookies the same? Yeah. It doesn't have access to those cookies. Cookies are used by websites to track your activity. But, oh, sure. Donc la différence entre l'utiliser, alors elle va répondre plus, hein, mais la première différence, c'est que les modes incognito qu'on peut trouver sur certains navigateurs plus classiques que Tor, principalement travaillent sur les cookies, c'est-à-dire les petites marques qui permettent à un site de savoir que vous êtes déjà venu sur ce site, et les modes privés empêchent le site de savoir que vous êtes déjà venu sur ce site, mais ils n'empêchent pas les cookies en tant que tels. Even with incognito mode, the web browser still knows who you really are. The website knows who you really are. The advertisers know who you really are. They can still track you. The only thing that incognito mode is good for is when you have reached your limit on a website that has a news website that has a paywall. So it gives you 10 articles limit per month. If you use incognito mode, you get another 10. Tor browser does all those things, and basically, when you use Tor browser, no one can see who you really are and what you're doing. Donc, ces modes incognito travaillent uniquement sur les cookies et la question de l'identification ne travaille pas la question de l'identification de la machine. Donc, les sites web peuvent collecter des informations pour savoir qui vous êtes vraiment, enfin, quelle est la machine qui est vraiment utilisée pour la navigation. Ces informations peuvent être collectées par les publicitaires, les sites web, etc. Alors, elle dit avec ironie que l'intérêt principal de ces modes incognito, c'est que quand vous avez des sites qui vous permettent, par exemple, de consulter 10 articles gratuitement et puis ensuite il faut payer, comme les cookies sont effacés, vous pouvez refaire 10 articles et vous avez toujours des articles gratuits, mais que ça ne vous protège pas. L'intérêt de Tor, c'est que précisément, la machine est complètement anonymisée et les informations ne circulent absolument pas. Bonjour, j'avais une question concernant la stratégie du projet. Je me demandais si dans vos missions, dans vos activités, vous aviez aussi un rôle d'advocacy ou de lobbying auprès d'associations professionnelles comme l'American Library Association, ce que vous avez mentionné, ou même l'IFLA, par exemple. Yeah, as much as possible, I try to work with library organizations like ALA and IFLA and ABF. My experience is that many of these organizations, it's very difficult to get them to take action. So ALA, for example, I'll only go after them because they're my own. When I got started, they had a website for privacy called Choose Privacy Week. And when you went to the website, it just said, coming soon. And it said this for like 2 years. So I think that there are some major limitations to the professional organizations, and I wish that wasn't true. I see the professional organizations, if they were to act, they could help so much. They could create standards, they could create resources, they could give money to libraries for doing these projects. But basically, I started Library Freedom Project in part because I tried to convince ALA to help me, and they didn't. Donc oui, une partie de son travail consiste à travailler avec les associations professionnelles, donc l'ALA aux États-Unis principalement. Elle parle principalement de l'ALA puisqu'elle est états-unienne. Et elle souligne que la difficulté, c'est principalement de les faire,
de passer à l'action, qu'elle donne l'exemple, là aussi avec ironie, que la LA avait un programme qui s'appelait Choose Privacy, choisissez la vie privée, qui était censé être un programme, et quand on allait sur le site web, il y avait en chantier à bientôt, et que pendant 2 ans, le site a été en chantier et qu'il n'y avait rien, donc les associations ont beaucoup de mal à s'engager. Alors, elle le regrette parce qu'elle pense que les associations professionnelles pourraient éditer des standards, proposer des supports, proposer des documents, éventuellement même financer des projets, et qu'elles ne le font pas, et que du coup, elle le regrette, et que si elle a lancé son propre projet, c'était aussi parce qu'elle n'a pas réussi à impliquer la LA dans ce genre de problématique. Je voulais savoir si, au-delà de la protection des données privées, est-ce qu'il y a un axe autour de la responsabilité des bibliothécaires et des bibliothèques dans la lutte contre les fake news, et est-ce qu'elle est engagée également dans cette action, et qu'est-ce qu'elle pense que les bibliothèques peuvent faire pour éduquer ou aider les citoyens à y voir clair dans les nouvelles fausses et vraies. So fake news is actually more connected to privacy than you would think, and the answer is yes, and I'll explain why. So the way that algorithms on the internet work is they take as much of our data as possible, our private information, and they use that information to shape the internet in the way that they think we are most likely to click on it. So the proliferation of fake news is a byproduct of that environment. If we can control our own data, if we can prevent Google and Facebook and all these major companies from exploiting our data, the fake news won't get the kind of attention that it does, because the whole reason it gets attention, it has to do with what I said about data collection. It has to do with advertising. So while I don't necessarily talk about that directly, I do talk about it in the context of protecting data, and also. If we use privacy tools, it's not simply that we will get privacy, it's that we will be able to control the internet in a way that actually works for us rather than working for advertisers and private companies. So we could defund the fake news operation by doing that. Donc la réponse est oui, parce que pour elle, il y a un lien très fort entre les fake news et l'exploitation des données personnelles. Elle rappelle que les algorithmes qui collectent les données et qui exploitent les données servent à structurer les informations qui vont nous apparaître chacun sur le site web. C'est ce qu'on a vu avec Facebook, et que donc les fake news sont un produit dérivé de cette idée que on va structurer l'internet pour générer du clic et pour aussi alimenter la publicité. Donc si on arrive à se protéger et que les données personnelles ne sont plus collectées, les fake news vont moins remonter, elles vont avoir moins d'impact, parce que finalement elles apparaîtront moins sur internet, et on va reprendre la main sur ce qui nous apparaît sur Internet, et on va pouvoir échapper aux fake news qui ne sont qu'un produit dérivé de cette stratégie du clic produit par Google, Facebook et tous les GAFA. Donc protéger les données, c'est central dans finalement déconstruire l'idée même de fake news, le système même des fake news. Est-ce qu'on a une dernière question ? Pour le travail que vous faites, êtes-vous surveillé, justement? We all are. But people do... You want to say that? Nous le sommes tous. Yeah. Um,
People ask me all the time, though, if I feel like I'm under more attention now, and I haven't really had anything happen that makes me think that that's true. But when the Lebanon Library situation occurred, we did an information request to find out what the DHS had been saying about us. And there was just one email, and the agent was like, "Who is this damn kid?" And that was it. So, you know, maybe there's more. Donc, c'est une question qu'on lui pose souvent. Elle a pas eu d'éléments très tangibles qui lui font penser qu'elle est particulièrement surveillée. Suite à la mobilisation sur la Libano Library, elle avait fait une demande d'information pour savoir les informations qui avaient été collectées sur elle à cette époque-là par les agences de sécurité. Et le seul élément qu'on lui a transmis, un peu signifiant, c'était un mail dans lequel quelqu'un disait mais qui est ce sale gosse qui nous ennuie. Une dernière question, non? Oui. Ok. Ben alors, moi je voulais remercier très très chaleureusement Alison. Thank you so much. Thank you so much. Here. Elle est arrivée hier, elle repart demain pour Houston. Donc vraiment, thank you. Thank you so much for having me. I'm really honored. Appreciate it. And a round of applause for Philippe. Et merci. His amazing work. Merci pour la traduction. Vraiment, merci. J'avais un petit mot du coup parce qu'on vous a fait une petite table de petites choses à récupérer si ça vous intéresse. Alison nous a emmené des stickers du Library Freedom Project et du Library Freedom Institute si vous voulez coller ça sur votre laptop et participer. Voilà. Moi je voulais faire une petite parenthèse sur en France très rapidement hein, qu'est-ce qu'il y a comme initiative. Il y a notamment une liste de diffusion qui s'appelle CryptoBib sur laquelle on échange autour de ces questions de vie privée les questions de vie privée en bibliothèque et aussi plus largement dans les écoles, les établissements publics. Donc j'ai mis des petites cartes si vous voulez les récupérer pour vous y inscrire. J'ai aussi mis, à titre d'information, j'en ai imprimé pas mal, donc n'hésitez pas à vous servir si vous ne l'avez pas lu, la déclaration de l'IFLA sur la vie privée dans le monde des bibliothèques. Ça peut servir de la relire de temps à autre. Et voilà. Et pour les timides qui n'ont pas voulu poser des questions en plénière, je reste un petit peu et on peut faire la traduction aussi si vous avez une question en direct. Merci pour ça, merci. Voilà. Et ben, bonne fin de journée aussi. Voilà.